Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le second épisode de notre Let's Play sur Pokémon version Emerald Rogue. Emerald Rogue, le retour évidemment, puisqu'on avait déjà fait ce jeu il y a plusieurs jours, il y a quand même pas mal de temps. Hein. Je crois que ça fait presque un an que j'ai pas touché à ce jeu, au moins quasiment. Mais j'avais tellement envie de revenir dessus en Let's Play que voilà, mais pour l'instant, on est sur la partie de base, puisqu'il faut d'abord en passer avec le début, avec les trois premières générations, et après ça va changer. Et donc, comme expliqué précédemment, le jeu a sa manière de fonctionner. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce que j'avais dit, tournez-vous donc vers le premier épisode, bien entendu. Et donc on va poursuivre, et ça va légèrement augmenter en termes de difficulté, comme vous en doutez. Et donc on va choisir, je pense, ici, calme énergétique. On va avoir 6 Pokémon au choix. On n'a pas perdu de Pokémon au début, mais peut-être cela changera. Alors déjà, on va XP, je pense, en même temps, les Pokémon. Et ça démarre avec un petit Liputi. Donc, a priori, ça devrait bien se passer. Et Ice Shard, la priorité, très très bien. Mais il faudrait que tu aies un stab, un vrai stab, mon gars. Et pour l'instant, il n'est pas de type glace encore. Agility, ça sert à rien. Et on va avoir notre première évolution. Notre petite Torchic qui va évoluer en Galifeu. Et qui va donc apprendre Double Kick. Donc ça mange pas de pain, clairement. Alors, Natou. Le fameux Miltank roulade. Ah ouais, ça c'est pas... en vrai, ce truc là c'est pas si mauvais que ça. Allez, je me laisse tenter. Parce que j'aime bien Galeking quand même. Aventure, c'est un peu le faux habit, mais on va chasser quand même, c'est pas si merdique que ça en aventure. Hein. Bon, Ember, on va virer. Wing Attack, bah parfait. Tout le monde level up. Lava Plume, parfait. Oh là, la tête de fer. Allez, tout le monde est pratiquement level up là. Voilà. Oh. Oh alors là, Body Slam. Parfait. Fury Cutter, c'est le stab. Hein. Bah, c'est Taillade. Alors Taillade, si c'est spammé, ça mange pas. Hein. Si là, c'est toi qui la swarm. Rock Slide. Parfait. Ok, bah on est pas mal là. Je sais pas si on peut avoir mieux. Salut madame! Let's battle! Alors, Vigorat, attention quand même. Je pense qu'on va venir sur. Je sais pas si Combusken peut tanker en vrai, c'est chaud.
Heureusement qu'on a mis le tank, hein. Putain. Oh, Vigoroth m'a fait un petit peu flipper, hein. Tauros. Oh. Ah, il s'est... Ne te réveille pas, surtout. Ouah, se prend quand même des Pokémon un petit peu costauds, hein. Oulala, oulala, oulala. Là, c'est... On... C'est trop... C'est là où on affronte le... la rivale, des fois. Ah non... Normalement dans le jeu de base. Ah, attention, ça rigole pas, hein. Dynavolt, on s'en fout. Alors la petite statue, c'est un légendaire potentiel à capturer, hein, si vous ne savez pas. Calm Rushed, Calm Mighty, Average Gloomy. Average Gloomy, allez. Les dresseurs, on va faire extrêmement gaffe pour le coup. Ça va, on a eu des Pokéballs. Est-ce qu'on se tente le légendaire ou est-ce que c'est hardcore? On va essayer. Ah ouais, on a un dresseur à chaque fois. Oh, si c'est Kyok, je suis pas juste un peu dans la merde. Oh la vache, c'est mal. Putain, calme-toi, hein. Avec Dracorage. Voilà, on prend tellement cher, hein. C'est chaud, hein. Élector! Oh putain, il est souterrain électrique, on va être... On va être un petit peu compliqué là. On va mettre mid tank. Résistance vol. Merci. Oh, on a capturé Zapdos. Incroyable, on a capturé Elector. On va remplacer qui du coup? Bah Scyther. Ouais, en vrai Scyther.
qui peut, je peux pas vraiment l'évoluer pour l'instant en plus. Oh, punaise. Oh, je me tape un gros truc là. Oh, mais arrêtez avec les mauvaises natures là. Putain, il a un set de bâtard. Bon, bah, ça c'est une aventure qui part bien. Hein. Mais il faut pas crier victoire trop vite, évidemment. Alors, c'est le type feu. Alors, type feu, hein, c'est pas évident à gérer. Hein. Déjà, on va ramener le l'électeur au bon truc. Donc on valide avec notre poké. Hein. On a Aaron aussi hein, qui a peut-être de quoi gérer. En vrai c'est que la deuxième championne. Donc, je pense pas qu'elle ait encore quelque chose de très très puissant. Ouais elle a la Growlithe quoi. On va lui balancer un tonnerre ou qui va poutrer la gueule du Growlithe sans souci. Ponyta. Oh la vache, Zapdos 125 en attaque spéciale, faut quand même pas l'oublier que ce truc tape fort. Alors Combusken, ça va être compliqué, oh là là, c'est un sweep. Les amis, Vulpix. Hop là. Oh là 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 là, Zapdos qui met des patates. Et qui a troué en deux la championne d'arène. Incroyable. Mais c'est une réalité, on a gagné donc assez largement. Et donc maintenant on va passer encore un petit cran supérieur. Cette fois le niveau maximum c'est 35. Donc ça va petit à petit monter crescendo, je pense que vous l'aurez compris. On va voir si on va s'en sortir la prochaine fois. Merci beaucoup de m'avoir suivi en tout cas pour cet épisode. Et on se retrouve bien sûr très prochainement pour la suite. A très bientôt, ciao.